Exécution surprise. Dans 3, 2, 1. J'ai tout inventé. Surprise. Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant, avouez. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Comment ça va? J'ai réussi à intégrer l'équipe de nanobots qui reconstruit la cage. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Non, mec, je fais une... Ah! 5 petites salles et c'est... Hein? Tu vas pas me renvoyer pour ça? Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin bref, 5 petites salles... Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc la situation est au final plutôt drôle.
là. J'ai réfléchi à notre dilemme et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Et oui, le centre est redevenu opérationnel. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise, dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Paris, je pars dans un accent qu'on peut pas entendre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Allez, allez! Vite, allez, ferme les portes! Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper, là, maintenant. Alors, on court! Débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe la chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courez ! Allez, en avant. Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve ! Elle nous prend pour des idiots ! Oh ! Quasiment rendu.
Parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici au moins, elle peut rien nous... Que se passe-t-il? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon, j'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Ah ! Oh punaise, on m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non mais sans blague, à quoi ça sert de me truc si c'est pour m'interdire de les utiliser? C'est complètement débile. Oh, il fait rudement sombre ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi ils crient. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Continuons, l'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Attention, attention. Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Oh, bien vu ça. Vite, par ici. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi. Je vous le donne en mille. Un de ses clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... non, pas gros sacs. M'occuper des humains tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sacs d'humains. Ça manque un peu de tact. Qu'on vous fasse sortir de cette salle. Vous pouvez atteindre ce mur là-bas. Ok, il y a un autre mur par ici. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore, très exotique, j'aime beaucoup. Bon, alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. Bonjour. Bonjour.
le verrouiller. Ah, parfait. Regardez ce qu'elle sait faire, la tourelle. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous pouvez pas en vouloir. Cible verrouillée. Cible verrouillée. Faut pas me chercher. Cible verrouillée. Modèle, réponse. Bonjour. Modèle, bonjour. Réponse. Bonjour. Modèle, bonjour. Réponse. Bonjour. Modèle, bonjour. Réponse. Bonjour. Oh vache, vous m'avez sauvé la peau. Modèle, où est-ce qu'on va? On s'évade? Réponse. Je vois rien du tout là. Modèle. Bonjour. Réponse. Bonjour. Ah, parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, modèle. Vous allez adorer. Réponse. On y est presque. Tada ! Le centre de contrôle des tourelles. Réponse. Eh, rien que ça. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas ? Modèle. C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon, là. Si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Modèle. Tournez-vous, une petite... Aïe, piratez. Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Modèle. Bonjour. Réponse. Bonjour. C'est trop pas juste. Modèle. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi une... Bon, bah, ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recours aux données mémoire. Ah, ça a pas fait l'affaire. Qu'est-ce que vous avez là? Modèle. Alors, je vois plus rien. Dans le doute, je tire. Bonjour. Modèle. Réponse. Salut, ça va? Modèle. Réponse. Ouais, salut, ça va? Non, attendez. Modèle. Réponse. Je suis pas en fait. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que vous... Modèle. Oh, mais oui, c'est génial. Nouveau modèle, accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production, je vais pirater la porte. Modèle. Bonjour. Réponse. Bon, je vais commencer le piratage. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre réponse. Côté. Il va me falloir dans les 10 minutes. Gardez un œil sur la porte. C'est ah, elle est plutôt compliquée cette porte. Ah! Oh, elle était ouverte depuis combien de temps? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage? Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais à l'avenir ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Pas franchement un succès. Journée parent-enfant. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi. Enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate, c'est déjà ça. Mais ça vole pas très haut non plus. C'est de la physique chimie niveau CP, CE1. J'imagine que... on doit pas ce chef-d'œuvre au gamin d'un des chercheurs. Sans vouloir jouer les snobs, ça sent le travailleur manuel à plein nez, hein. Ah, attention, je dis pas qu'ils sont moins bons que les pros, juste beaucoup plus bourrins. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin.
histoire de vous rassurer. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. Bon, essayons par ici. J'étais sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxine. Je ne le croyais pas aussi gros. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Nos bébés. Je devrais pas rire. Ils ressentent la douleur. Une simulation en tout cas, mais pour eux... ça doit être bien réel. La porte est verrouillée. Impossible de la hacker, visiblement. Le mécanisme doit être de... ouh, alors, ça c'est du laser. Mais mieux vaut ne pas y toucher. On sait pas à quoi servent les panneaux qu'il est en train de découper. Si ça se trouve, c'est super important. Oh, hey, on sait pas à quoi il sert, bouton. Oh, la porte s'est ouverte. Pardon, voyons ce qu'il y a de l'autre côté. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxines. Le problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah ! Une alarme ! J'en fais mon affaire. Ne vous inquiétez pas. On essaie. Dans le hacking, le plus dur, c'est de trouver par où commencer. Bref. Vous sentez pas des neurotoxines ? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent ! Je sais pas ce que vous faites. Attendez, il y a un problème! Le niveau de neurotoxine est monté à 50%! A descendu! Il est descendu! À 50%, c'est super! Ça a marché! Neurotoxine à 0%! Yes! Attendez! Alerte! Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Ah, j'étais sûr que ce serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors forcément, je les avais cru, mais au final, c'est super fun. J'adore. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la strate supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle m'a tiré une de ses tronches. Les neurotoxines en râle, les tourelles qui déconnent, ça va être funky. Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Ah, je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la, je vous retrouve. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau.
Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contentée de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Bon, tout ça c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement, adieu. Oh, vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Bonjour. Je vous hais cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyau? Dites-moi que c'est une... Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Oui. Cœur corrompu. Démarrez la procédure. Non. Oh, si elle est. Non. Temporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui. Débranchez-moi, sauf débranchez-moi, si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution. Laissez-moi brancher. Allez, appuyez. Ne faites pas ça. C'est ça, allez-y. Pas si vite. Réfléchissez bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. Ne l'écoutez pas. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de plus important. Un doigt, vous comprenez? Un doigt qualifié pour appuyer sur ce bouton et l'empêcher de nous tuer. Temporisation résolue. Veuillez regagner la baie de transfert de... C'est parti! Ouais, mais et si ça fait mal? Genre, très mal. Mince alors, j'y avais pas pensé. Oh ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Vous dites ça comme ça, hein? En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai? Je vous demande de vous arrêter. Non? Arrêtez! Non! De forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite? Vous savez à quel point ça peut être jouissif? C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit labo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non! Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis saigné aux quatre circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle! À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans.
Pardon ? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère comme une autoréductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Oui, vous mentez.
Sergio, si vous êtes là, c'est parce que nous voulons t'aimer, alors en l'occurrence, vous. Êtes-vous pas servi à la science? Moi? Ah! Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de vous présenter. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi le proprio. Cette voix suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, faire transférer vos horaires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Sans elle, ce centre me serait rien. Et elle est mignonne comme un cœur. Chaque jour, on était sur un long millier de tests dans les sphères d'enrichissement. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Les sujets affectés au test du gel répulsif, suivez la ligne bleue sur le sol. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthe. Prenez une arme et suivez la ligne jaune, vous saurez quand le test commence. Si vous vous êtes coupé récemment, vous avez peut-être remarqué que votre sang a la consistance du gasoil. C'est normal, nous vous avons bombardé avec un laser. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes après cette prochaine série de tests, pour information, pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur à plein régime. Pour être honnête, c'est vraiment histoire de voir ce que ça va donner, sans doute rien. Au mieux, ça vous donnera peut-être des super pouvoirs. Au pire, 2-3 tumeurs qu'on pourra toujours virer. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. Pas chez nous. J'ai Aperture, notre science part de zéro. Les roulettes de vélo, c'est pour les gamins. Le premier test porte sur, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît. Thank you.
gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin, en disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à la queue sans porter sous les fonds blindés, c'est maintenant le cas. Au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. Vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien n'affiche. C'est cher, non ? Le café que nous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop, c'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche.
Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer rapidos. Il panique pour rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous comme pour vous. Si vous entendez ce message, c'est que vous passez trop de temps sur les passerelles entre deux tests. D'après les gars du labo, ce serait une réaction de crainte. Sans être psy, venant d'une bande d'intello pas foutu d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégrafer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Qui est allé dans l'espace? Qui a participé au débarquement? Qui a décroché une médaille d'or? Eux, ça me ferait mal. Vous, vous avez la niaque, ça me plaît. Activez un peu, ça sera parfait. Félicitations. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique. En tant que fondateur et directeur d'Aperture Science, je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour d'autres tests. On n'a pas l'intention de commercialiser ça avant d'avoir tout bien peaufiné. Donc, tant que vous garderez une forme optimale, il y aura toujours une limousine qui vous attendra. Dites bye bye, Caroline.
Mes hommages. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les vils plagiats de concurrents sans scrupules. Black Mesa, c'est à toi que je parle. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner $60? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé, là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Si vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est le moment d'avertir quelqu'un, parce que le prochain test... Un humain de sexe masculin est constitué d'environ 60% d'eau. Chez Aperture, que je vous explique. Nous faisons une petite expérience de téléportation. Ça ne marche pas avec tous les types de peau, donc rappelez-vous à quoi ressemble la vôtre, et si elle ne se téléporte pas en même temps que vous, on la regrettera. La zone de test est droit devant.